Bonjour tout le monde. Welcome everyone. Je suis David Saint-Jacques, astronaute de l'Agence spatiale canadienne. Today, I'm joining you from the hospital where I take care of COVID patients. I just swapped my scrubs for my flight suit. And I'm joined by CSA President Lisa Campbell. J'aimerais surtout souhaiter la bienvenue aujourd'hui à l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie. Merci, David, de me céder la parole. Très, très content de pouvoir me joindre à vous aujourd'hui et vraiment pour, je dirais, à tous et à toutes qui sont avec nous aujourd'hui pour une annonce historique. Alors que l'humanité se prépare à son retour sur la Lune et qu'un Canadien ou une Canadienne sera de la première mission lunaire habitée depuis 1972. Merci, cher David, pour votre contribution aussi, non seulement comme astronaute canadien, mais aussi en tant que médecin de première ligne. Je dois vous dire au nom de tous les Québécois et Québécoises, des Canadiens et Canadiennes à travers le pays, nous sommes fiers de votre talent, fiers de votre passion à toujours vouloir aider et certainement fiers de votre dévouement que vous démontrez à chaque instant. Alors, c'est un grand privilège de pouvoir être avec vous aujourd'hui. Puis, je me permets de le dire très publiquement, comme on est fiers de ce que vous faites, M. Saint-Jacques. Vous l'avez démontré dans l'espace, et là, vous démontrez aussi votre talent, votre passion sur Terre, et vous inspirez des gens à travers le pays. Alors, moi, je vous lève mon chapeau et je vous dis merci de ce que vous faites, parce qu'aujourd'hui, je vous vois avec l'habit d'astronaute, mais mesdames et messieurs qui sommes avec nous aujourd'hui, David et moi, hier, on parlait, il avait plutôt son stéthoscope de médecin au cou. Alors, vous voyez, c'est un homme qui fait beaucoup pour nous et vraiment, je dois le saluer au nom de tous les Canadiens et Canadiennes et ainsi qu'à vos coéquipiers astronautes à qui j'ai eu la chance de parler hier. Je voudrais aussi souligner la présence de ma collègue Chérie Romanado. Chérie est non seulement la députée de Charlemagne, Longueuil-Charlemagne, mais elle est aussi la présidente du comité de l'industrie. Le comité qui chapeaute les activités, évidemment, de l'Agence spatiale canadienne et, bien évidemment, Mme Lisa Campbell, comme vous l'avez présenté, M. Saint-Jacques, qui dirige l'Agence spatiale canadienne, la première femme. Alors, on doit saluer aussi votre leadership, Mme Campbell, et votre passion pour l'espace et de toujours mettre en évidence le travail, non seulement des astronautes, mais de l'ensemble du personnel de l'Agence spatiale canadienne, et de tout l'écosystème, parce qu'aujourd'hui, vous voyez, on est en compagnie de plusieurs compagnies qui gravitent dans cet espace-là de l'écosystème. Donc, c'est un beau partenariat public-privé, évidemment, quand on parle de l'économie de l'espace. Vous l'avez vu, la pandémie du COVID-19 nous a montré à quel point la recherche scientifique, l'innovation et la technologie sont importantes pour transformer certains de nos plus grands défis en solutions audacieuses. In 1969, when humanity first set foot on the moon, someone that I admire a lot, John F. Kennedy said, and I quote, "We chose to go to the moon, not because it is easy, but because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills." He was right about that then, and his words should continue to inspire us in the next phase of space exploration. Canada's space sector, with its ecosystem of innovative researchers, scientists, engineers, and manufacturers, is a great example of the economic and social benefits that come from investing in space exploration. Today, I have the pleasure to provide a progress update on our space strategy and to announce some new investments that will take us to the moon and beyond. Since we launched Canada's space strategy in 2019, we have made significant progress as a nation, thanks to the leadership of the Canadian Space Agency and to you, Lisa, and the whole team at the Canadian Space Agency. We join the Lunar Gateway, humanity's mission to return to the moon. We announced that Canada will remain a global leader in space robotics with Canadian space company MDA
leading the charge in building Canada Harm 3. Just on this project, hundreds of Canadians organizations will be involved in the design and construction of this next generation artificial intelligence enabled robotic arm. And I can say, when I was much younger, the Canadian harm has been the symbol of our presence in space and have inspired generations and generations of Canadians to think big, to be ambitious. And I'm so proud to see that we continue to be there with Canada Harm number 3. En même temps, nous reconnaissons l'intérêt pour le domaine de l'espace est en pleine croissance à travers le monde. Alors que nous entrons dans une nouvelle phase de l'exploration spatiale, nous sommes prêts à faire du Canada un chef de file mondial dans la recherche, la technologie et l'innovation. L'Agence spatiale canadienne aide déjà de nombreuses petites et moyennes entreprises à investir dans les technologies de pointe afin qu'elles puissent devenir les champions mondiaux du secteur spatial de demain. Et aujourd'hui, vous aurez l'opportunité d'entendre certains de ces chefs d'entreprise qui se démarquent non seulement au Canada, mais à travers le monde et pour lesquels on veut continuer de travailler à les appuyer. Avec l'annonce d'aujourd'hui, nous avons investi plus de 39 millions de dollars au cours de la dernière année pour aider l'industrie, nos scientifiques et nos innovateurs canadiens à prendre part aux efforts internationaux d'exploration de la Lune. Some of the technologies we're announcing today will literally fly to the moon on an international mission as early as next year. And this is what, ladies and gentlemen, is so amazing. Some of these technologies will actually fly to the moon. And that's why I wanted to make sure with Lisa and David that we have some of these great entrepreneurs that have imagined the future. And when you think about space, you have to think exponentially. David yesterday was presenting us the challenges, because to go in space is something. To go in orbit around the moon, it's like 1,000 times further than what normal missions are. So the challenges, both scientifically, in terms of expertise and in terms of equipment, is great. But that's why Canadians are up to the challenge. And the big thing that I want to announce today is that Canada is also supporting a number of scientists from two universities to advance their understanding of the moon's surface. But now, let me say something that Canadians from coast to coast to coast will be extremely proud. And if there is only one thing I want you to remember today, apart from the great words that you'll hear from David and Lisa and all the entrepreneurs, is that within the next 5 years, Canada plans to land a lunar rover on the moon. That's the big news today. And this is a great example of the level of ambition we are capable of as Canadians. It requires ambition, it requires skills, it requires talents, everything that we possess here on Earth in Canada. To achieve that objective, the Canadian Space Agency will be looking for two Canadian companies to develop concepts for the rover and science instruments for the mission. Just yesterday, I was able to meet with our astronauts, David, Jenny, Jeremy, and Josh. In a year filled with challenges, let me say again, your passion and dedication are a source of inspiration for all of us as Canadians. One of these exceptional people will be the first Canadian to make the trip around the moon, but certainly not the last. I am happy to highlight our participation in the Artemis missions to return to deep space, and the first time a Canadian will be making the trip. This is not only the result of important scientific research, but it will also inspire young Canadians across the country to dream big and pursue their studies in science, technology, engineering, and mathematics. So let me repeat. One of these exceptional people that you will hear about and that you may have seen will be the first Canadian to make the trip around the moon. This is quite amazing, ladies and gentlemen. Our commitment to the Canadian space sector is a commitment that benefits all of us as Canadians. And David yesterday was kind enough to remind me that what goes on in space
helps people on Earth. He was mentioning, for example, in the medical field or in communications, things that matter very much to Canadians, because we obviously are privileged to have a large landmass where we need to provide medical services and also communication. David was sharing with me how much of that work has been helping to serve communities all across Canada. So my dear friends, let me finish in saying three things. Let's seize the moment. I don't think there's ever been a better time to be Canadian and dream big. Let's be ambitious, as what we're announcing today is really ambitious, the way we want to see Canadians in Canada. And finally, let's Canada and Canadians be part of the space history. With that, Lisa, David, je pense que nous allons maintenant avoir l'opportunité de discuter avec certaines entreprises qui, eux aussi, vont marquer l'histoire à leur façon. Alors, maintenant, David, je vous cède la parole à nouveau. Merci encore. Merci, Monsieur le ministre, d'accorder votre soutien au programme spatial canadien. Après 60 ans d'excellence dans le domaine spatial, le Canada a acquis une solide expérience qui lui permettra de jouer un rôle essentiel dans l'économie spatiale mondiale en pleine croissance. Le secteur spatial canadien est très novateur et résilient. On y investit beaucoup en recherche-développement et on y crée d'excellents emplois. Le secteur a contribué pour 2,5 milliards de dollars au PIB au Canada l'an dernier. Et nos technologies et services réputés dans le domaine spatial ont été exportés dans le monde entier. Today, we're joined by three companies who are receiving funding to advance their unique technologies. They will be testing these in an upcoming international mission. First, Ottawa-based Mission Control Space Services. They are receiving $3 million to advance their new navigation and computing technologies for an international lunar rover mission led by the Mohammed bin Rashid Space Center in the United Arab Emirates. Ewan Reed, President and CEO of Mission Control, is here to tell us more about it. Ewan, over to you. Thanks, Lisa. Thanks, Minister Champagne and David. And thanks for everyone for tuning in today. Welcome to Mission Control. We're a Canadian space exploration and robotics company headquartered in downtown Ottawa. And we're committed to inspiring the next generation to always keep exploring. And Mission Control is going to the moon. With the financial support from the CSA announced today, we're getting the chance to send a Canadian computer with Canadian AI to the moon to help a rover navigate. This demonstration is critical, and it comes at a crucial time. Companies from countries around the world are racing to the moon in a new wave of exploration. By proving our capabilities on this early mission with lunar company iSpace, we'll get a chance to be leaders in this new economy of the future. Not only will our AI help the Rashid rover of the Emirates lunar mission navigate, our ground software will allow scientists and engineers from at least four Canadian universities access mission data in near real time and support the rover's path planning and scientific discovery. Here you can see Amila operating our rover prototype using this software. This technology operates robots through the internet. The software was developed with the support of the Canadian Space Agency and is designed to let people operate robots in harsh environments like Mars or the Moon, as well as here on Earth. We want it to be the solution of choice for operating robots in space. Our software can show things like the height of the terrain, or upcoming hazards using machine learning, or how far away a rock is. And it's already being used here on Earth. It's at the heart of our Mission Control Academy program, an immersive technology-based education experience that's seen students from four continents operate our rover at the CSA Mars Yard as if it was on Mars. In the future, we hope it can be adapted to support telemedicine applications, whether for the first Canadian astronaut flying around the moon or closer to home by helping Canadians in remote communities access healthcare. This is one of the many examples of how investing in space brings tangible benefits to Canadians. And what's more tangible than a real moon yard? You've been watching Amila control the rover at our moon yard here at Mission Control headquarters. Let me show you. How cool is this?
I think I speak for all Mission Control and our partners when I say that we're extremely proud to be representing Canada on one of the first international micro rover missions to the moon for science, for exploration, for students, for all Canadians. Thank you. Thank you so much, Ewan. That was great. La prochaine entreprise est NGC Aérospatiale Limitée de Sherbrooke, au Québec. NGC Aérospatiale a reçu le financement plus tôt cette année et fera la démonstration dans une mission internationale de son système de navigation avancé, semblable à la technologie GPS utilisée sur Terre. Voici Jean de la Fontaine, président de NGC Aérospatiale, qui va nous en dire plus. Jean. Merci beaucoup, Lisa. Monsieur le ministre, David, bonjour à toutes, bonjour à tous. Tout le monde ici est familier avec le GPS dans nos téléphones, dans nos voitures, qui permet de nous localiser sur la Terre. Bien, pour la Lune, il y a aussi un besoin réel de localisation pour réussir des atterrissages précis dans des endroits désirés. Par contre, il n'y a pas de GPS sur la Lune. Ce qu'on a développé, c'est une technologie qui permet de localiser à haute précision et de façon entièrement autonome les orbiteurs et les atterrisseurs du futur en utilisant les cratères de la Lune comme repère de positionnement. Avant d'en parler plus longuement, j'aimerais dire deux mots sur NGC Aérospatiale, dont je suis le fondateur et PDG. NGC, c'est une PME de 19 employés située à Sherbrooke. On vient tout juste de fêter notre 20e anniversaire d'opération. Ce qu'on fait à NGC, on développe des logiciels qui rendent les véhicules aérospatiaux autonomes et intelligents pour moins dépendre de la présence humaine, comme c'est le cas dans des missions planétaires, mais aussi augmenter leur performance, leur fiabilité et réduire aussi leur coût d'opération. Les véhicules d'intérêt pour nous, bien, ce sont les satellites terrestres, les orbiteurs, les atterrisseurs planétaires, évidemment, les astromobiles et aussi les aéronefs sans pilote. Maintenant, pour démontrer le fonctionnement de la localisation par cratère, j'utilise notre maquette du pôle sud de la Lune qui est derrière moi. Ce n'est pas une image virtuelle de Zoom, c'est vraiment une représentation réelle en 3D de 15 mètres par 3 mètres qu'on a dans notre labo. Je suis actuellement dans ce labo, puis c'est ici qu'on teste et valide nos logiciels. Le robot Surai que vous voyez derrière moi est muni d'une caméra, puis reproduit le mouvement orbital du satellite devant la maquette que vous voyez derrière moi, bien sûr à l'échelle du labo, à la dimension du labo. Mais nous, on transpose le tout par ordinateur en faisant un changement d'échelle pour nous retrouver à la dimension d'une vraie orbite lunaire. C'est ce qu'on voit maintenant à l'écran. Avant de démarrer la vidéo, quelques explications. La maquette de notre labo, vous la retrouvez reproduite en bas de l'image. À droite, vous voyez un tracé en bleu qui indique la vraie position du véhicule en orbite lunaire. En fait, c'est la vraie position du robot dans le laboratoire qu'on détermine à partir des capteurs qui sont dans son rail. Le tracé en vert indique la meilleure connaissance de cette position-là, telle que calculée par notre logiciel à partir des cratères. C'est comme si on disait au robot, trouve ta position dans le laboratoire à partir de la maquette et des cratères. Nous, on sait exactement où est-ce que tu te trouves. Puis c'est comme ça qu'on va pouvoir comparer si le tracé en bleu, qui est la réalité de la vraie position, et le tracé en vert vont se rejoindre un jour. Donc, une fois le véhicule en orbite autour de la Lune, une caméra prend des images. Notre logiciel donc, identifie les cratères à partir des images qu'on retrouve dans une carte qui est en mise en mémoire du véhicule avant son lancement. Ce sont des cartes qui ont été construites à partir de missions précédentes. Quand un cratère dans l'image est appareillé avec ce même cratère-là dans la base de données, bien, il y a un petit cercle vert qui apparaît pour vous dire « Oh, j'ai trouvé le cratère ». À partir de ces appareillements-là, le logiciel calcule la vraie position du satellite. Sur le graphique du centre, vous pouvez voir que l'erreur diminue tranquillement et étend vers zéro. Et vous voyez aussi que le tracé en vert se rapproche du tracé en bleu. Donc, c'est comme si le robot, avec le temps, détermine sa vraie position dans le laboratoire, tout comme un vrai satellite lunaire va pouvoir déterminer sa vraie position avant l'atterrissage. Cette technologie permet un atterrissage à une précision qui est environ d'une centaine de mètres, ce qui est une amélioration d'un facteur 10 par rapport aux technologies actuelles d'atterrissage lunaire. Avant de terminer, j'aimerais vous montrer d'autres projets qui ont été supportés par l'Agence spatiale canadienne et qui nous ont permis aujourd'hui de vendre notre technologie à travers le monde. Entre autres, l'évitement d'obstacles lors de l'atterrissage sur la Lune pour s'assurer un atterrissage en toute sécurité. Mais je mentionne aussi qu'il y a actuellement 4 satellites européens en orbite.
qui ont à bord notre logiciel autonome et qui a été possible grâce à la participation du Canada au programme de l'Agence spatiale européenne. Il y a en plus deux autres satellites qui sont en construction et pour lesquels on va aussi fournir notre logiciel intelligent. Maintenant, pour conclure, ce que l'Agence spatiale canadienne annonce aujourd'hui, c'est en fait qu'on a un billet pour se rendre sur la Lune, un billet de transport pour se rendre sur la Lune et ainsi démontrer à nos clients que notre technologie, ça fonctionne sur la Lune, pas juste dans un laboratoire. Merci. Merci beaucoup, Jean. C'est tellement impressionnant. Finally, Canadensis Aerospace Corporation of Toronto. Chris Salaberger, CEO, Canadensis Aerospace, will tell us more about the 360-degree camera that they're developing to capture stunning panoramic images of the lunar surface. This technology will also be tested during an international mission to the moon in the coming years. Chris. Merci, Lisa. Et merci à l'Agence spatiale et le gouvernement canadien pour le support du programme de l'exploration de la Lune. At Canadensis Aerospace, we've been preparing for lunar exploration for almost a decade now. And we've been writing the various technologies that will soon make up Canada's first rover on the lunar surface, from extreme mobility, lunar temperature and radiation resilience, autonomy, artificial intelligence, scientific instrumentation and sensing, and situational awareness. Here's an example of one of our lunar cameras that'll do the situational awareness. It has to be very small for the new class of missions and be able to be used in multiple locations, whether that be on landers, on rovers, on orbiters, and even orbiting space stations such as the Lunar Gateway. It also has to be very robust to withstand the high radiation environment and the cryogenically cold lunar nighttime temperatures. And yet it also has to be powerful enough with computational power and memory to be able to handle modern autonomy and artificial intelligence applications. Of course, this is just a technology. And what's most important really is how these capabilities are ensuring that Canada can remain an active partner at the forefront of international and commercial space exploration activities. So here's a shot of one of the labs in our Toronto facility, where as we speak, these lunar cameras are being assembled right now. We're delighted to be flying these vision systems on a number of missions from Earth orbit to the lunar surface in the coming years. And we're excited, especially for the data that's going to be coming back from these missions to help ensure that more people can participate in the excitement of the grand adventure of space exploration. We're proud to be able to say that since we received the Canadian Space Agency's CapDemo Award last year, we've already been able to convert this support into a situation where the majority of our lunar business now is commercial exports. And we're pleased to be providing our technologies to landers and payloads on several of the upcoming lunar missions. This is much in the same way as we've been able to convert the CSA support for lunar vehicle development into an entirely new line of fully Canadian human and autonomous vehicles for terrestrial markets. Here's an image of some lunar work we did for the Canadian Space Agency. Here's an image of one of our labs in our Stratford, Ontario facility, where we just put a lunar drivetrain through a very aggressive 2,000 kilometer test through Lunar Regolith Simulant successfully. And here are some of these commercial terrestrial vehicles that we've developed that have used both the technologies and the design methodologies from our lunar vehicle work. And these vehicles are being exported internationally to defense and industrial customers right now. We look forward to sharing much more about these commercial successes over the coming year that stem really from Canada's investments in space exploration. And
we also look forward, of course, to working with the Canadian Space Agency and the Canadian government to do everything we can to support them in the National Space Strategy. Thank you again, Mr. Champagne, CSA President Campbell, and all the staff at the Canadian Space Agency. Thank you very much, Chris. Ministre, à vous. Yes, I should have learned to unmute myself by now. After what is a year and a half of Zoom, I should have done that. But Christian, Jean, everyone, wow. That's the only word that comes to my mouth when I was looking, I was riveted to my screen, believe it, a year and a half after we did Zoom, looking at the amazing work you're doing, whether it's UA1 and geez, I'd like to visit that studio or that replica you have. Now I can hear you, but I'll go. You're in Ottawa, so we'll make sure we go visit. Anytime. And then, that sounds good. And when I see Jean, this is quite amazing. And I have more questions for you quand on va arriver. Jean, j'ai des questions pour vous parce que je veux savoir un GPS lunaire. Là, vous nous avez expliqué comment ça fonctionne, mais toutes les applications. And Christian, thank you for the work you've been doing. It's quite amazing and exciting what you've been doing, because what Lisa has been able to show us with the Canadian Space Agency is that each and every one of you, not only you look ahead, but you've been able to capture global markets and the global space market, which you said, Lisa, is booming as humanity is looking at a new frontier in a way. It's a next phase. I think David would probably agree with me. It's kind of a next phase in space exploration where we're going back to the moon and we're even looking further deep space and eventually to Mars. So this is amazing that Canadian companies, you've positioned yourselves in leadership position. And that's what we want. We want Canada to be part of space history. And thanks to you, your work, your employees and the scientists and the team you have brought with you, we're going to be able to do that. So I certainly want to ask a question. Jean, I'm going to pick on you. So Jean, vous êtes de Sherbrooke. Vous nous avez parlé un petit peu de la comment ça fonctionne, mais moi, j'aimerais ça comprendre si vous vous projetez dans 5 à 10 ans avec votre entreprise, avec la technologie, comment vous voyez cette technologie-là évoluer? Et essayez de nous expliquer un petit peu, parce que vous avez opéré dans l'environnement, je veux dire, de l'innovation de la technologie, comme l'a fait l'astronaute Saint-Jacques hier. Donnez-nous des exemples comment des technologies comme la vôtre pourraient éventuellement offrir des bénéfices sur Terre. Par exemple, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'innovations. David nous expliquait hier que les gens se rappellent de plusieurs innovations qui ont commencé dans l'espace. Qui sont venus après ça sur Terre. Le GPS, c'en est un, je pense que tout le monde aujourd'hui utilise ou à peu près, qui a rendu notre vie facile. Mais moi, ce que je veux comprendre de votre technologie d'abord, où vous voyez cette technologie-là dans 10-20 ans, puis qu'est-ce que vous voyez comme retombée possible sur Terre pour les recherches, les investissements qu'on fait ensemble? Très bonne question. Les ministres posent des questions plus difficiles que mes ingénieurs, mais je vais y répondre quand même. En fait, la façon qu'on voit les choses, il y a plusieurs choses. Premièrement, la technologie qu'on utilise pour atterrir de façon précise sur la Lune, ce qu'on voit dans le futur, en fait, c'est que cette technologie-là, premièrement, elle va être achetée par les différents opérateurs de missions lunaires. Donc, on espère et on prévoit que notre technologie, ce sera un module qui va être acheté, qui va être à bord de toutes les missions qui vont se rendre vers la Lune dans le futur, les missions commerciales, les missions d'exploration. On développe aussi, en même temps, j'ai mentionné rapidement, une technologie qui permet d'atterrir de façon autonome, mais aussi en évitant les obstacles sur la surface de la Lune. Donc, ce sont deux technologies qu'on a développées pour la Lune, pour l'espace. Mais en fait, on prévoit déjà des retombées sur la Terre parce qu'on travaille aussi dans le domaine des drones, dans le domaine des aéronefs sans pilote. Et les mêmes technologies, on est en train de les exporter vers la Terre. C'est bizarre parce qu'on a inventé ça pour l'espace et maintenant on les ramène vers la Terre. Donc, il y a des véhicules, des aéronefs sans pilote qui pourront être utilisés pour développer, pour transporter des médicaments, par exemple, ou des vivres dans des zones accidentées. Et donc, ils doivent atterrir dans des endroits inconnus.
Et donc, la technologie qu'on a développée pour la Lune pour éviter des obstacles, on les voit aussi pour éviter des obstacles sur la Terre en livrant des vivres à des communautés qui ont été isolées par un tremblement de terre ou par inondation ou quoi que ce soit. Tant que pour le côté GPS, c'est identiquement, c'est la même chose. Il y a des avions, il y a des avions sans pilote qui ont besoin de se déplacer dans des endroits aussi où le GPS est plus difficilement accessible. Il y a des endroits où, proche des falaises d'ailleurs, il y a des réflexions qui sont difficiles d'utiliser le GPS. Il y a aussi l'exploration avec des aéronefs sans pilote dans les forêts. Donc, en dessous du feuillage, le GPS ne se rend pas. Donc, il y a toute une autre technologie qui pourrait être utilisée pour utiliser les caractéristiques naturelles de l'environnement pour permettre de savoir quel déplacement on a fait. Et même, il y a juste des applications dans les mines où on peut se déplacer et savoir où on se retrouve à partir de capter ce qu'on voit comme environnement naturel, comme on le fait sur la Lune avec les cratères. Puis, je prévois aussi que notre compagnie va grandir avec toutes ces technologies-là. On est supporté par l'Agence spatiale canadienne dans les deux cas. Dans le cas d'évitement d'obstacles, dans le cas de la navigation à base de cratères. Puis, on espère bien un jour qu'on va continuer à vendre ces produits-là, puis que la compagnie va grandir avec ça. Merci, M. de la Fontaine. Puis, je suis fier de voir aussi qu'on innove en région. Hein, de voir que vous êtes à Sherbrooke, ça prouve que l'innovation, c'est partout au pays, c'est aussi dans nos régions. Absolument. Puis, on va être avec vous pour les prochaines étapes. Madame Campbell, je pense que je vous recède la parole à vous maintenant. Merci beaucoup. Et je pense que c'est David qui aura une question pour Chris. David. Si je peux, oui. Chris, I have a question for you. You know, obviously, from the point of view of an astronaut, it's really exciting to see all the developments now around lunar exploration. But I assume that just from a business and technology perspective, it must also be very exciting. Christian, we want to hear you. You're on mute. So sorry to interrupt. We just want to make sure we can hear all of it. Thank you for that, Minister. And David, thank you for the question. It certainly is exciting for Canada and CIS Aerospace to be providing some of these first Canadian systems for lunar exploration and for this to be a key part of our business. However, I'd have to say that what's even more exciting for all of our staff is to personally participate in humanity's expansion into space and out to the moon and Mars and beyond. It's truly a privilege for all of us. And we recognized this a few years ago and wanted to share this with others. And that's why we started several years ago to develop these immersive lunar camera systems that I showed earlier as an integral element of our lunar rover development activities and our lunar surface infrastructure development activities. And so these systems will allow us to share this adventure of lunar exploration with our partners, with scientists, with students, and with the general public. In fact, any Canadian who has an interest will be able to vicariously participate in space exploration and be a part of this high drama that's unfolding on the lunar surface. And so, David, this is a key part of our vision, our commitment, and what makes us so exciting. What makes this so exciting for us? So, thank you. Thank you so much, Chris. As we're hearing, space attracts the best and brightest. I hear you'll be bringing on students and young professionals to work on your project. Please tell us more about that. Well, thanks, Lisa. You know, absolutely. Well, we already are. In fact, Mila, who's behind me, has been operating our rover today. She's a software engineering student at University of Victoria. She's just finished her first year and she's on a placement with us here this summer. I think she's one of six students we have with the company right now. And we continually will hire and engage students. You know, that's really part of our raison d'etre. But beyond here at the company ourselves, we work with lots of universities. On this capability demonstration program, we've actually partnered with four Canadian institutions, Concordia, Western, Carleton, and University of Winnipeg. And their students, their scientists and engineers, graduate students and postdocs, will actually get to participate in the Emirates lunar mission in real time. They'll be supporting the path planning, they'll be supporting the scientific discovery, all enabled by the fact that our software can get them the data that they need to be able to do that.
You know, I think when you think of mission control, you know, absolutely, I want everyone first to think of, you know, we're a company for software for space robots, you know, no question. We're experts at micro rover technology, you know, leaders, absolutely. But really, I think the most important thing is to know that we're committed to inspiring the next generation to always keep exploring. We want students to be able to participate in this, you know, next phase of exploration. And, you know, we want all the Canadians to be able to come along for the ride and, you know, take advantage of this huge new economy of the future. Thank you, Ewan. Thank you, everybody. Thank you, Minister. Thank you, Lisa, Sherry, as well as Jean, Chris, and Ewan from NGC, Canadensis, and Mission Control. We all look forward to seeing your technologies actually working on the moon, take us to the moon. This concludes the first part of the event. Thank you, everybody who joined us on social media. And we're now ready to take questions from the media.